pour éviter le burn-out, il y a une première étape qui est de comprendre quels sont les enjeux du travail dans notre vie. Réorganiser ou organiser sa vie en visant à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, Anne-Sophie vous déploiera cet élément-là. Ce qui est important, je pense, c'est voilà, de ne pas tout investir dans le travail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand le travail prend trop d'importance, eh bien, on laisse tout ce qui va être hobby, famille, autre chose sur lesquelles on peut se raccrocher et qui peuvent être des ressources en fait, par rapport à l'épuisement. Et puis aussi, je voulais insister sur le fait que de lutter contre la porosité entre vie privée et vie professionnelle, c'est-à-dire que ben, on a des téléphones en permanence, on est connecté en permanence, le travail s'immisce chez vous en fait. Et d'autant plus dans un contexte où on a généralisé le télétravail, où c'est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce qu'on est au travail et quand est-ce qu'on est dans sa vie personnelle. Et puis aussi, c'est très important d'avoir une prise de recul en se faisant aider. Parce qu'à un moment donné, on ne voit pas ce qui se passe en fait. On est dans un train à 300 km/h, on voit le mur en face, mais on ne sait pas où est le frein, on ne sait pas comment en sortir. Tout le monde nous dit de sauter, mais on ne peut pas le faire. Et donc, il y a vraiment besoin d'être aidé par quelque chose, par quelqu'un d'extérieur. Les acteurs sur le plan de la santé classique sont le médecin traitant, éventuellement psychiatre s'il y a besoin en fonction de la symptomatologie présente. Après, les psychologues qui sont spécialisés en psychopathologie du travail. Également, on peut faire appel à certains paramédicaux tels que les kinés, les ostéos. Un acteur incontournable en intra-entreprise, c'est le CSE. En complément, voire la médecine du travail. On aura tout le pan du soutien social, les amis, les collègues, la famille. Les associations, ce sont des interlocuteurs vers qui on peut se tourner.